Augmenter, tiens, ça pour voir s'il y a des trucs qui peuvent l'améliorer. Désolé. Bisous Shadow, à plus tard. Je vais réfléchir. Je sais pas ce qui pourrait rapporter le plus. Je suis sûr que ces trucs peuvent améliorer de ouf certains équipements, mais je pense que c'est l'huile de silicone et un rayon de poussée qui font. Non, ouais, non, plus tard pour les armes de vanille, tant pis, hein. Elle m'a foncé direct dessus alors que j'étais dos à elle. Totalement legit, hein. J'utilise des items qui n'ont pas une icône de bouton pour faire monter le multiplicateur. Hein? C'est quoi ça le multiplicateur? Bon, attends, déjà j'essaie de tuer cet oiseau de malheur là. Qui me fait assez mal, mine de rien. Faire gaffe aux pigeons, hein, qui ont des yeux derrière la tête. L'autre qui m'a repéré. Peut-être, ouais. Mais déjà je vais en tuer un, donc ça va être plus facile de tuer l'autre après. Hein. Là, je la tue au moment où je la mets en choc, quoi. D'accord. C'est vrai que j'allais voir ça de plus près, en fait. J'aurais pu faire ça et j'aurais économisé des objets, en fait. Là, j'ai merdé, en l'occurrence. Oh, ça m'étonne pas de moi. Hein. J'aurais dû me renseigner un peu plus, en fait. Hein. Normalement je la tue avant qu'elle tue Feng. Ouais, puis je la tue avant qu'elle tue Feng, c'est bien. Bon, qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dessus? Ok, bah je m'en renseignerai. Hein, enfin, c'est pour les 160 PV, bien sûr. Et maintenant, je vais à la cinquième partie. Hein. Ouais, puis j'aurais pu farmer sur les pigeons. Ok, on a la cinquième partie. Je sais pas s'il y a des missions encore, mais bon.
Ouais. Je sais pas comment elle a fait pour me voir, mais elle m'a vu. Hein. Non, non, le lieu de farm c'est Grand Pulse, mais c'est bien que je puisse farm un tout petit peu, tu vois, au moins. C'est juste un tout petit peu parce que franchement, j'ai beaucoup trop de retard, mais c'est pas trop grave encore, quoi. Ça passe vu que j'ai des objets pour pouvoir avancer. Hein. C'est par exemple pour me buff comme l'écran et tout, ou alors le furtif, si jamais c'est trop dur, il faut que je prenne par surprise pour avoir au moins l'avantage des dégâts, quoi. C'est vrai que cette zone est archi longue, quoi. Et j'aime pas ces mobs. Hein. Ils te mettent des debuffs et tout, et c'est hyper chiant. Enfin, pas des debuffs, pardon, ils te mettent des malus. Hein. Genre là, j'avais un malus sur la défense. C'est parti assez vite, mais ça me fait quand même un peu chier, quoi. Après l'avantage c'est qu'ils arrivent. Eux ils peuvent pas m'OS. Donc... Non, même les tours de magie ça ne s'explique pas. C'est un principe, sinon tu n'y vois plus la magie, tu vois. Allez, mes PV là. Yes. Bon, les autres, faudra peut-être un jour que je les up, mais bon. Oh, fais chier. C'est tombé, c'est pas possible. Je suis en premier. C'est lui qui met les malus. Ça a l'air d'être plus fragile aussi, donc c'est bien. Putain, les bons malus. Ah merde, c'est moche ça. N'empêche, c'est pas si mal que ça le fait que je sois un peu de... Oh merde! Donc je disais que c'était pas si mal que ça le fait que je sois derrière, vu qu'au final ça me force à utiliser mes stratégies, mais des fois c'est pas très drôle de voir un de mes personnages crever parce qu'il est pas assez tanky, parce qu'il a pas assez avancé, quoi. Ok, Taras. Je vais devenir pauvre à force, hein. Je viens de craquer quand même deux queues de phénix, quoi, mais please. Faut vraiment que je bute lui. Déjà un de moins, c'est bien. Mon dieu, je vais devenir trop pauvre. Il faut vraiment que je rachète des items encore. J'en ai marre. Les queues de phénix coûtent beaucoup trop cher sur celui-là. Thank you.
Y'a plus rien, j'imagine que je dois parler à celui-là. Faire une mission, je pense. Non? Si, je vais avoir droit à une mission, non? Je dois tuer Kissy Frod Sipik, c'est Mouchouchou, ok. Je vais faire la mission parce que ça va me permettre d'avoir un truc qui va me permettre d'augmenter encore mes équipements. J'ai de la merde, je cherche pas. Franchement, j'ai pas grand chose quoi. Le pire, tu vois, c'est que je mets le trèfle d'argent alors que je suis quasiment sûr qu'il me sert à rien parce que j'arrive pas à avoir des 5 étoiles. Hein. Ah merde, ils sont 3! On va essayer de finir cela en premier. J'avais pas vu qu'ils étaient 3 en fait. J'ai merdé. Hein. J'aurais dû y aller en furtif. Hein. Ou alors j'arrive à finir ces deux-là assez vite, mais j'y crois pas trop. Hein. En fait, ce qui me fait chier, c'est que quand tu mets deux attaquants, ils vont pas attaquer la même cible, et du coup, c'est trop chiant. Hein. Et ça, c'est vachement dommage. Hein. Après tu vois j'ai pensé quand même à upgrade certains trucs et l'essence et du coup j'ai un accessoire qui me permet d'avoir plus 90 de dégâts. Donc c'est plutôt chouette hein, pour Feng, mais c'est pas suffisant en fait, il faudrait que j'en upgrade encore plus par exemple pour Vanille ou alors pour Lightning etc. Bah j'en ai mis un justement, et l'essence 1 qui donne 250 HP à Lightning, mais je pense qu'il faudrait que je l'upgrade surtout. Hein. Coucou Rema, tu vas bien? Ça va. Allez, retire lui là son buff. Tourbillon. Ah ça va pas le faire, ça va pas le faire. Ah non, ça va. Bah du coup je vais repasser avec cette stratégie. Hein. Qu'est-ce qui t'a réussi Nenoir? Vas-y, raconte-nous. Accompli, ça me donne graine de lunaflore. Je sais pas ce que c'est, mais ok. Il a récupéré son épée, lui. Donc c'est déjà un bon point. Est-ce que je dois avancer? Je vais voir si je peux pas aller check un petit peu autour s'il y a pas des trucs à prendre avant d'avancer à nouveau. Hein. Il y a des trucs par là. Nope, y'a rien. Et de l'autre côté, est-ce qu'il y a un trésor ou pas? Alors juste quelques monstres à affronter. Hein. Non, en fait, j'ai avancé pour rien, y'a rien du tout. Hein. Dommage. Hein. Je pensais qu'il allait y avoir quelque chose, mais pas du tout. Hein.
suis juste fatiguée. Je devrais être reposée alors. Surtout que les week-ends en général c'est fait pour ça. Attends. Bizarre. On doit vraiment retourner à la quatrième partie? Bon, de toute façon, d'après le jeu, on dirait bien. Ouais, on dirait bien. Bon, bah, j'y retourne, hein. C'est ce qui m'indique. Tu te reposes déjà dans un jacuzzi. Ah. je sais, désolé. Il paraît que je suis pas un bon modèle vis-à-vis de ça. On peut pas reparler au gardien, Ardilo, ça voulait pas. Sinon, crois-moi, je l'aurais fait. Hein. Mais je pense qu'il y a encore des gardiens à ce niveau-là qu'il faut parler. Hein. Je crois que je vais le faire maintenant. Hein. Passe une bonne soirée, signe noir. Bisous. J'ai trouvé quelqu'un là. J'ai trouvé un petit monstre là. Pas très content d'avoir été attrapé sur le fait. Il a essayé de voler dans mon assiette. Hein? Qui est-ce qui essaie de voler dans mon assiette depuis tout à l'heure? Hein? Qui est la petite chose qui essaie de voler dans mon assiette? Il est pas content. D'un côté, il a que ce qu'il mérite. Bonne soirée, signe noir. J'active, ça m'emmène où hein? Annulé, non. Je vais pas y retourner, je vais aller vers le une exclamation là. Tiens là j'ai un trésor. J'avais pas activé celui-là? Une bague de l'heure. Ça doit être une résistance au vent. Oula, c'est quoi ça? Ça fait un peu peur. Varcolacci. Non, c'est pas la mascotte de Rockstagger. Hein. Mais là, il est bien installé, il s'en fout, il est posé. Hein. Un patate. Hmm. Oh, et par contre, il va pas rester longtemps comme ça, hein, je pense. Hein. Il va vite se barrer et tout. Il tient pas spécialement en place. Hein. Ah.
gars. Oh, en fait, j'avais pas encore fait cette partie-là. Ouais, sixième partie. Hein. Ok, bah c'était par là en fait qu'il fallait aller. Hein. Pas du tout ce que c'est que ce son depuis tout à l'heure. Il est tout seul lui. Ouais ça va, il est tout seul donc c'est tranquille. Hein. Et c'est beaucoup plus simple quand ils sont seuls en fait surtout. Hein. J'ai pas l'impression que les statues néfastes fonctionnent. Quoi. Non, ça... Ah si ça fonctionne. Hein. Si je peux encore lui en mettre avant de switch. Pas tarder à devoir switch en fait. Non, moi je veux voir les Rocks gagner cette cause. Hein. Juste parce qu'ils ont fait un cosplay de chat. C'est tout. Ouais. Ah. Qu'est-ce que ça fait mal ça? Ça fait extrêmement mal. J'ai intérêt à tous les heal. Hein. Yo Yusei, je vais bien et toi? Ça, j'espère qu'il va pas me refaire un autre air parce que sinon je vais prendre trop cher. Ça par contre je sais pas ce que c'est. Donc je sens vraiment pas. Ce serait bien que Vanille heal un peu plus. Hein. Et sub. Mais non, c'est bien les subs. Je sais pas si je vais continuer à mater les matchs honnêtement Ti ce soir. Genre hier ça allait mais franchement au bout d'un moment j'étais pas spécialement bien quoi. Oula, encore une fois je prends cher. Passer un état de choc, logiquement. Il a pris sa retraite, Marine. Il a pris sa retraite, normalement, Dilos. A plus tard, les Saints, bisous, amuse-toi bien. Mais moi, il me semble que Marine a pris sa retraite. Hein. Oh. Merci Chinois TV pour ton resub, ça fait plaisir. De mois d'anniversaire, c'est Twitch qui me l'a dit. Et là, cette fois, mon truc il marche. Merci à toi pour ton resub, Chinois. Je suis contente. Pour une fois que ça marche, la dernière fois ça buguait un petit peu. Le text-to-speech marchait pas, mais là il marche donc je suis contente. Ça. Merci encore à toi, Chin. Grâce à toi, je sais que tout fonctionne. Et grâce à toi, j'ai un sub de plus aussi. Et du coup, je suis à 65, je suis contente. Vu que je ne me suis sub pour 6 mois d'un coup... Ah ouais, d'accord. Ah, toi, t'y es allé direct, quoi. Tu t'es pas dit, bon, tiens, je vais tester un mois. Non, 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 j'y vais pour 6 mois, tranquille. Mon Dieu.
Bon, lui, c'est le deuxième que j'active, du coup. Zirkoz, on avait dit... Non, non pour ce genre de blague. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Enfin, pour ce jeu de mots, pardon. D'accord. Très bon choix, alors. Il est de l'autre côté. Comment je passe de l'autre côté, hein? Allô? Comment je passe de l'autre côté? Pas du tout comment passer de l'autre côté en fait. C'est quoi cette chose là qui vole et... Non mais j'avoue que FF c'est le bien. Mais en fait, attends, je viens de lui mettre trop cher ou ça se passe comment? Ah oui, d'accord, je lui ai mis beaucoup trop cher. Il est parti chez LGD? C'est ça, Luxvoisin. Je les vois pas, tes brochettes, cesse. Donc du coup, je ne te crois pas. Comment je vais faire pour passer de l'autre côté? Il faut que je trouve un moyen d'y aller. Mais comment? Ah bah tiens, non, j'ai rien dit en fait. Non, bah si. Comment je passe de l'autre côté? What? Attendez, je vais trouver. Il y a forcément une solution de toute façon. Hein. Ah, il a eu du mal. Ouais, je suis étonnée qu'ils soient partis chez LGD. Hein. Mais bon, pourquoi pas après tout. Hein. C'est moi ou ils prennent cher maintenant? Il s'est passé quoi? Genre ils prennent super cher. Moi aussi j'ai pris super cher, bizarrement. Fait super mal, j'y crois pas. Ah, peut-être. Bah au fond c'est quand même, ça reste quand même une bonne raison hein, ça. Tu peux pas rester joueur pro toute ta vie malheureusement. Merde, j'ai fail là. Des chanchons, ça. Ça devrait se tuer assez vite. C'est quand même vachement chiant ces chanchons. Hein. Bon après c'est censé être des mouches donc forcément ça reste chiant. On les tue vite. Ça rapporte pas. C'est pas vraiment un défaut hein, honnêtement. Je pense pas que ça soit un défaut. Bon attendez je vais l'examiner. Ah non c'est lui qui va mourir un chemin. J'aime bien le nom de ton channel de stream, ouais. C'est
C'est celui de Senei en fait. Je lui pique son chan. Plutôt. Comment ça, pas être sérieux? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais on est d'accord que Faker était sur Syndra sur ce match. Hein. Je crois qu'il a stomp le mid. Hein. Je crois qu'il a vraiment stomp le mid. Hein. Ah bah tiens, je l'ai eu par surprise. Bien ça. J'aimerais trop que le Roxy win. Juste pour ce meb. Ça aura pas duré longtemps. Hein. Je pense, ouais, par contre, ce qui me fait chier, c'est que DG, enfin, ils ont trop mal commencé leur premier jour. Et après, genre, ils ont roulé facile sur ITZ, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé le premier jour pour EDG, mais c'était assez bizarre quoi. Non, en vrai, ils sont quand même vachement beaux, je trouve, les mobs dans ce FF. Bon, après, c'est vrai que c'est pas censé être des monstres qui sont beaux, mais genre. Enfin, je parle esthétiquement parlant, ils sont pas beaux, tu vois, mais ils sont quand même bien foutus. Hein. Ah ouais, c'est l'inverse, merde! Oui, ils ont perdu contre ITZ et ils ont un. Et après, ils ont un. Bref. Oui, je me suis mal. J'avais confondu quoi. Non, je refuse d'abandonner. Ah merde, je viens de remarquer. Je viens de remarquer en fait. Et c'était ça qui s'était ouvert. Et du coup, j'ai enfin pouvoir faire ce truc. De toute façon, on va bien voir ce que ça va donner. Hein. Non, j'ai pas vu Yusai, là je regarde pas, je suis sur le jeu là. Je regarderai toi hors stream. De toute façon, je regarde le Discord en général en dehors du stream. Je me demande si je peux installer Discord sur mon iPad, tiens. J'aurais peut-être dû aller check pour voir.
Non, pas ça. Les apex, ça faisait mal. Hein. J'ai déjà Discord sur mon téléphone, mais je parle pour mon iPad. Parce que le truc, c'est que mon iPad est assez vieux, tu vois, donc je sais pas si ça prend en compte. Si ça peut prendre en compte Discord. Vu que Discord reste quand même vachement récent. Donc bon, je sais pas, faut voir. Mais j'ai pas le dernier iPad, si vous préférez. Ah, c'est en dessous, d'accord. C'est en dessous. Ok. Déjà, on va prendre le trésor. Il y a du soleil ardent. Je sais pas c'est pour qui, mais. Non, je sais bien que ça se met à jour un iPad, mais il y avait des trucs qui fonctionnaient pas sur mon iPad que j'ai essayé d'installer. Ouais, attends. Attends un tout petit peu, toi. Laisse-moi te prendre par surprise, s'il te plaît. Oh non, c'est trop tard. Ça veut pas. Ça ne veut pas. Barrière d'inertie, non. Tu ne fais pas ça. Non, c'est pas possible. Attends, t'es sérieux là? Il est sérieux à me mettre autant de dégâts? Multi-cible? Ok, je vais prendre trop cher. Faut que je me mette vite en état de choc en fait. Ah bah oui, forcément. Masaka. On va recommencer. Bon. Est-ce que j'utilise un furtif ou pas pour lui? Est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que vous pensez que je peux quand même le faire? Mais c'est pas possible, il est trop en alerte. Bon allez, mon dernier furtif et puis on va voir. Il semble que c'est un jeu à plusieurs legends. Je crois que je le tuerai pas. Je pense que je le tuerai pas. Il a l'air trop résistant. À moins que je mette un écran ou quelque chose comme ça m'a l'air trop tendu.
Ouais, ça va être trop tendu de le tomber. Hein. L'état de choc reste pas longtemps en plus. Il s'appelle Vetala. Mais je vais être obligé de le tuer quand même. Encore un état de ruine, s'il te plaît. Ça va, ça passe. J'ai essayé de lui enlever sa garde, mais là ça passe. Et là il la récupère, c'est trop chiant quoi. Je sais pas comment la lui retirer à chaque fois. On peut même la faire en état de choc, mais what the fuck quoi, please. Il me respecte pas, c'est infâme. Non mais ça va, il tombe bientôt. Hein. Mais je pense que j'aurais pas dû craquer mon furtif hein, pour ça. Bon, au final, je pense que je peux encore acheter des furtifs et j'en aurais plus trop besoin par la suite. Mais là, j'aurais pas dû le craquer, je pense. Les non-dégâts de light, tu veux dire. Regardez, je lui mets rien. Je lui mets rien. Même quand il est sous choc, c'est n'importe quoi. Ah mais c'est normal, il nous a mis ses malus. Il faudrait que l'autre elle soigne. Pourquoi j'irai regarder les infos du mob hein. Bon, est-ce que l'autre elle peut enfin me mettre des buffs hein. Chérie, c'est pas mon genre d'utiliser des solutions hein, pour avancer dans un jeu. Hein. Je sais que toi tu le fais, mais bon. Bon, est-ce qu'elle peut se soigner là? Oui, il y a eu des 20 cas passés, mais comme tu vois là, là elle a mangé des malus. Hein. Donc du coup forcément elle faisait beaucoup moins de dégâts. Hein.
Non mais même si je scanne Séné, ça va rien changer, je peux pas lui retirer sa garde, tout simplement. Elle se retire au bout d'un moment. Comme là maintenant. Hein. Ça se voyait. Hein. Par exemple, en général, tu sais, pour retirer les buffs, les gardes et compagnie, tu regardes. Enfin, tu utilises le saboteur de Vanille normalement ou de Hope, n'importe. Et quand tu vois que ça fonctionne pas, bah, c'est que c'est pas possible de lui retirer à moins de lui mettre un minimum de dégâts dans la gueule. Hein. Mais logiquement, c'est pas trop possible dans ce FF, quoi. De ce que j'ai vu avec la plupart des mobs. Hein. Mais là, clairement, je pense qu'il fallait juste mettre un certain nombre de dégâts sur la garde avant de passer à autre chose. Non. Non, 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 même si tu le passes en choc, ça change rien. Ça retirait pas sa garde. Fallait mettre un certain montant de dégâts. Parce que tout à l'heure, je l'ai passé en choc et je lui mettais pas de dégâts quand même. Il m'a vu. Est-ce qu'il y a moyen de le passer discrètement celui-là? Putain, il m'a quand même vu? Alors il faut que j'aille vraiment mollo quoi, mais. Ah c'est bon, ça passe. Oui non c'est ça Luxvoice, ça a une barre de vie. Hein. Ça va pas rester longtemps, c'est chiant ça. Le debuff un max. Hein. Non, c'est pas. C'est, en fait, ce qui s'est passé, Senei, tu vois, c'est que durant le premier choc, j'ai pu lui mettre assez de dégâts pour que la garde parte. Mais durant le deuxième choc que je lui ai mis, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a mis des malus au niveau de mes dégâts et de ma défense. Mais surtout au niveau de mes dégâts. Le fait que je faisais genre peut-être 20% des dégâts initiaux que j'étais censé faire. Enfin, je faisais que 20% des dégâts que je devais faire, tu vois. Ou 10%. Hein. Mais j'avais un gros malus de dégâts sur la gueule. Hein. Du coup, c'est pas terrible. Hein. Et ça fait que j'arrivais pas à péter la garde, en fait, tout simplement. Hein. Par contre, ouais, please. Merde, j'aurais pas utilisé Queue de Phoenix. Fais chier. N'empêche, l'épée elle découpe, hein, elle se fout pas de la gueule du monde. Hein. L'épée elle est en train de découper Feng alors qu'elle est sous garde, quoi, mais n'importe quoi. Et Vanille a intérêt de la heal assez vite parce que enfin, ça va pas le faire, quoi. Oh oui, t'as bien vu Ardilos, bah il y a des moments où tu fais beaucoup de dégâts quoi, sous choc. Hein. Mais seulement sous choc. Hein. Attends. C'est chelou. Où est-ce que je suis là?
J'ai pas compris où j'étais en fait. Mais je viens de voir un trésor. Je crois que c'est parce qu'il était à 600% à un moment, je sais plus, Ardilos. C'est vrai que ça dépend vraiment des malus de dégâts. Oh putain, j'aime pas ce sort, hein. Je prends trop cher quand je me prends R dans la gueule. Mais là au moins cette fois je suis pas dans le rouge. Hein. 9999, sérieux hein. Je sais pas si je peux mettre 9999. Hein. Oh merde! Merde! Non, ça va, ça passe. On a pris 1005 dans la gueule, quoi. Je me suis quand même posé une question, c'est d'ailleurs en fait, tu vois les trophées de la PlayStation 3, est-ce que c'est les mêmes au final sur Steam ou pas? Je pense que c'est les mêmes. Hein. Et oui, si tu te projettes au sol, tu fais masse dégâts. Hein. Donc je finisse bientôt le soigneur. Ça c'est quoi ça? Accessoire. Ah c'est bon ça. Elle va avoir accès à un troisième accessoire, ça va être déjà plus simple pour qu'elle meure pas. Choc dangereux, je sais pas ce que ça fait choc dangereux. Équipement, vanille, sélectionné, je sais pas ce que je vais lui mettre. En vrai, je vais peut-être retirer ça. Je vais retirer trèfle d'argent, je vais le mettre sur vanille. Hein. Là-bas. Mon dieu, il est loin. Mais c'est bizarre que j'ai pas eu ce coffre plus tôt. Genre, je me demande s'il y a pas des coffres qui apparaissent au fur et à mesure. Nous, lui. Ouais, c'est bon. C'est vrai que ça me paraissait un peu beaucoup 9999, Senei, hein, de rien. Le 99999, j'ai déjà vu ça, tu vois, dans FF. Mais j'avais jamais vu plus en fait. En total, ouais, mais en hit, pas trop. Hein. Mais toi, Asuka, tu l'as fini FF13, non? Il m'a pas vu? Ah, ouais, j'y étais de dos. Hein. Non mais ça c'est 9999 cumulé en fait ce que je veux dire Luxvoss.
Mais 9900, enfin 99999, tu vois, sur un hit, j'ai déjà vu, mais 9900, enfin 999999 en un hit, c'est pas, enfin j'ai jamais vu, tu vois. Et je parle pas en termes de dégâts cumulés, je parle d'un dégât sur un hit, tu vois. Parce que là, vous me parlez de dégâts totaux, vous me parlez pas de dégâts sur un coup. Vous préférez. Oh merde! Oh, elle est pas morte. Hein. Je sais pas si je me suis bien exprimée en fait. Pour le coup, hein. Pour ce que j'ai voulu expliquer. Hein. Pas l'air d'y avoir d'autres trucs. Ah, c'est bestiaux là. Ah, c'est les chanchons. T'es sur lui que ça. Moi ça me dit rien, tiens. Mon... Ça m'étonne même énormément en fait. Ok, c'est quoi le suivant? C'est un chonchon spécial. D'accord. Mais je pense pas que je sois... que je puisse réussir à le passer en... Déjà, là, je peux pas passer derrière ça. Mais c'est pas possible, non. Mais tu es déjà le petit. Hein. Ouais. En vrai, les petits font pas très mal, mais ce qui me fait peur en fait, c'est qu'elle en invoque plusieurs. Donc je sais pas, je pense pas qu'elle fera ça, on verra. Mais en tout cas, ils se finissent vite, donc c'est bien. L'autre, je vais essayer de lui mettre. Comment ça s'appelle déjà? Les combats de chimère, t'es obligé d'en faire au début du jeu, mais comment dire, quand tu vas essayer par exemple de faire les chimères purgatrices, etc., c'est quand même super important de les avoir, les chimères.
Vu qu'il y a des moments où, comment dire, tu vas être obligé de sacrifier 3 à 4 chimères par combat contre les chimères purgatrices, vu qu'elles ont des attaques qui, comment dire, vu qu'elles ont des attaques qui one-shot, à moins d'avoir, comment ça s'appelle déjà, ce sort là, qui te permet de ressusciter juste après avoir été tué. Hein. J'ai oublié le nom de ce sort dans FF10. Hein. Je crois que c'était. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un sort que tu récupères sur le sphérié que si t'as 4 clés niveau 4. J'ai oublié ce que c'était. C'est une lucky, hein. J'ai oublié le nom de ce truc. Auréole, voilà, c'est ça, Auréole. Merci Andrea Mias. Bah, en gros, si t'avais pas Auréole, bah, il valait mieux sacrifier à chaque tour une de tes chimères sur une des grosses attaques, enfin sur la grosse attaque de la chimère purgatrice, quoi. Donc au final, elles servent encore à. Elles servent, quoi. Ok, donc j'avais bien raison, Dilo, c'est bien ce qui me semblait. J'ai l'impression que ça marche en fait. Si elle meurt avant Feng, non ça va. Ça m'étonnerait. Mission accomplie, qu'est-ce que j'ai eu? Bracelet diamant. Attends, bracelet diamant, ça fait quoi? Sur FF14 Je veux dire sur FF15 peut-être, mais FF14 c'est le MMO donc je pense pas. Enfin, je pense que pour le MMO c'est Séné qui s'y connaît bien plus que moi quoi. Il faudrait peut-être que je mette les PC pour les autres un jour. Ah attendez, avant de faire ça. Bracelet diamant. Oh punaise, ça c'est bien ça. Ça m'a permis d'avoir. Cozy, tu vas bien? J'ai Zip avec moi, attendez, je vais vous montrer. Regardez-le. Il est juste là. On a Zip parmi nous, les gens. Allez. On a Zip parmi nous. On a le grand Zip. Hein. Bon alors, qu'est-ce qui t'arrive, Zippo? Par contre, ouais, il est vachement faible maintenant, il a un peu du mal. Hein. Ah mon chat. C'est un peu compliqué, Kelly. Hein. Je dirais même que c'est très très compliqué. Comment dire, il a vachement maigri en fait. Il est malade, il est mourant.
J'essaie de le faire grossir à nouveau, mais... Il arrive pas à avoir d'appétit, en fait. Malheureusement... Il a énormément de mal. Donc voilà. Il a une insuffisance rénale, il est vraiment au dernier stade. Allez, tu peux le faire, Vanny, tu peux le faire. Bon, déjà un de moins. Et next. Il est pas très vieux en plus, c'est ça qui est dommage. Il a 8 ans et malheureusement, bon bah. Il a eu quelque chose qui ne pas. Enfin, contre lequel on peut pas faire grand-chose. Hein. Ah mon chat! Faut que je bute lui. Ça va, ça passe. Mais non, t'inquiète pas. Tu sais, je le crie pas sur tous les toits, tu vois, donc bon. Et t'inquiète pas, lui ne le prend pas mal. Hein. Ah mon gros chat. Même si t'as pas mal maigri. Hein. Patate, tiens. Bon, je vais pas trop l'embêter. Hein. Il a l'air d'être perdu dans ses pensées et tout. Hein. Et maintenant que j'ai fait ça, je dois aller tout au bout. D'accord. Mais t'inquiète pas, Kelly, hein. Tu sais, ne te sens. Enfin, ne culpabilise pas et tout, hein. C'est pas de ta faute. Hein. Bisous Kelly, à bientôt. Oui, Tommy, t'inquiète, hein. T'as pas à te sentir bête pour ça, mais bon visionnage des Worlds. Celui-là, ça va, il est facile. Attends. Ordilos, on va voir les dégâts que je fais. Parce que là, j'avoue que... quand j'y repense... Ok, il y a du 18 000, 17 000... Ok, non, il n'y a pas eu de 94 000. Je pense que 94 000, c'est un peu beaucoup, en fait.
Mais il y a eu des bons chiffres, il y a eu du 20 000. Hein. De la part de Feng. Yo, Pims, tu vas bien? Ouais, va tanker un peu plus. Ça c'est pour le niveau, je vais mettre des fois. Ah ouais? Bah c'est cool, tu vas pouvoir voir la chute maintenant, Pimps. Aouh, je me suis fait mal. Ah, encore le falchi, hein. Il y a les trois LC qui ont raté leur tâche qui nous aident, mais bon, le problème c'est qu'ils ont pris trop cher, quoi. Ah, quoique, il y en a un qui se défend plutôt bien. Hein. Qui va nous dire lui? Est-ce qu'il va nous offrir quelque chose? Ah, il nous indique la direction, hein.